Au cours de cette troisième réunion, l'UMM a confirmé sa volonté de développer toutes les formes de travail précaire, que ce soit le contrat de chantier qu'elle veut ouvrir à toutes les filières industrielles et à toutes les catégories de salariés, ou que ce soit les CDD et l'intérim, dont elle veut allonger la durée tout en réduisant le délai de carence entre les contrats. Donc ce que veut le patronat là, c'est permettre toute forme d'emploi par opposition à toute forme d'inactivité. Et on est dans la surenchère une fois de plus. Ce qu'on nous on a porté, bien évidemment, c'est que le développement de notre industrie, le maintien de nos savoir-faire, ça nécessite des emplois pérennes et durables. Et c'est au contraire de toute la précarité que l'UMM veut pouvoir utiliser dans la branche. L'ensemble des organisations syndicales ont fait savoir aujourd'hui qu'elles étaient loin d'être favorables à cette question du contrat de chantier. On a bien senti que l'UMM était un peu gênée aux entournures. Elle propose une nouvelle réunion le 18 mai avec une nouvelle version de son texte. Donc nous, on va continuer, et on n'en démord pas, à se battre pour que l'emploi dans la branche, ce soit le CDI.